Et c'est peut-être dans son hakbo, c'est peut-être son hakbo qui lui donne une allure un peu winnie-winnie. Mm-hmm. Mais n'allez surtout pas le chercher, car même s'il a un visage d'ange, l'enfant du pays sait cracher du feu comme les dragons. Et Zodédé, c'est ce qu'il dit, probablement ce qui l'a propulsé au devant de la scène. Et depuis, il est resté un pion essentiel dans ce rap game béninois. Paris, New York, Londres, il va un peu partout dans le monde comme Beka, tu vas à Calavi. Un vrai globe-trotteur celui-là. On aime tout ça et on adore voyager, découvrir, se faire plaisir. Ou bien Bruno, à sa place, que ferais-tu? En tout cas, c'est la puissance. Tant pis si Gianni non est fort du nom. Lui, il le pense, il fait ce qu'il pense être bien. Et surtout, ne manque pas de prendre son ennui de temps à autre. Allez, dans sa musique, il chante l'ego trip, la philosophie, l'amour, la solidarité, la fraternité et surtout l'espoir. Tout ceci en un peu plus de 12 ans de carrière. Adja Nouvio a percé. Adja Nouvio est devenu un ambassadeur de la musique béninoise D et B. Il n'a pas cherché loin pour trouver son blaze. En anglais, ça donne quoi? Dibi. Dibi. Et en français, ça donne Dobo. Donc, Dibi Dobo est avec nous sur le rendez-vous de midi. Dibi, bonjour et bienvenue. Merci pour la présentation. Waouh, j'ai jamais vu ça, je pense.